Hey, je vais vous présenter un produit. Ce produit, c'est la marque Craft. Guy qui me l'a envoyé. On va parler du Mac Stand. Le Mac Stand, c'est quoi? C'est un produit qui va vous suivre partout. Très peu cher. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Si vous êtes intéressé par le Mac Stand, attention, on est sur un produit qui sera compatible, accessible avec une télécommande Bluetooth à distance sur votre iPhone, sur votre Android, puisqu'il y a pas mal de petites choses à l'intérieur de ce package très intéressant. Qu'est-ce que le Mac Stand de chez Craft Geek? Eh bien, c'est cette petite boîte très sympa. On peut voir tout de suite sur la devanture le produit qui est vraiment magnifique. Vous allez voir, vous allez halluciner. Derrière, on peut voir déjà un premier aperçu du produit. Vous allez vous le faire suivre partout. Vous êtes créateur ou non créateur de vidéos, vous faites par exemple des appels FaceTime, vous êtes en télétravail et vous avez besoin d'un stand pour faire par exemple du Team, pour faire du FaceTime. Le Mac Stand, c'est vraiment le produit qu'il vous faut. Allez, trêve de plaisanterie, on l'ouvre, c'est parti. Comme vous pouvez voir sur le côté de la boîte, on voit 1, 2, 3, les différentes façons d'utiliser le Mac Stand. Vous allez voir, c'est assez surprenant. On ouvre la petite boîte et vous allez voir déjà, voilà, c'est tranquille. Et on sort tout de suite le produit, les amis. Le produit, le voici. On peut voir qu'il est plié. On est sur le Mac Stand de chez Craft Geek. Il est là, ici, plié. On va lever une première partie. Vous pouvez voir ici, qui est donc aimanté. Il est compatible, vous avez deviné vu son nom, il est compatible MagSafe. Mais ce produit ne va pas recharger votre iPhone. Ce produit, c'est le Mac Stand. Il va servir de stand à votre iPhone. Il va vraiment agripper votre iPhone vraiment efficacement. Sur le devant, on peut voir ici, on a une petite télécommande qu'on peut enlever. Regardez-moi cette petite télécommande que vous pouvez mettre dans votre poche en faisant un appui de quelques secondes sur le bouton. Vous allez tout simplement allumer la télécommande, elle va clignoter et elle va se mettre en mode appairage. Cette petite télécommande, elle peut se recharger via un câble USB-C qui sera donc livré dans le package. Donc, tout simplement, elle se reglisse dans le Mac Stand, elle vient se clipser tout simplement. Vous pouvez voir ici que le Mac Stand, vous pouvez replier et déplier donc la tige qui va servir de support à votre iPhone ou compatible avec des produits Android, s'ils ne sont pas MagSafe, une petite bague sera livrée, je vais vous la montrer tout de suite, pour justement aller coller ça derrière votre smartphone et vous en servir comme MagSafe, tout simplement. Donc, ici, sur le dessous de l'appareil, on va faire un petit appui et regardez ce qui va se passer en poussant vers le bas. Et oui, les amis, voilà donc le pied qui vient de se déplier. On a donc un superbe stand pour iPhone, pour Android, parce que ici, attention, regardez, ici on le plie, il vient se clipser, ici si je pousse vers le bas et vers le haut, on a le pied, et regardez ici, je vais pouvoir déplier tout simplement le Mac Stand, regardez, voilà, tout simplement, c'est vraiment énorme, donc il est vraiment, il peut aller très haut, il monte, voilà, regardez-moi, on peut le mettre à la hauteur qu'on veut. Ça, c'est vraiment déjà, ça c'est vraiment super génial. Regardez, hop, on peut vraiment le monter très très haut et on pourra diriger notre iPhone comme on désire. Donc voilà, ici regardez le pied et la barre télescopique. À l'intérieur du package, on va retrouver une petite boîte. Dans cette petite boîte, on va retrouver tout simplement le câble de rechargement. On l'ouvre. On va donc retrouver le petit câble de type USB-A vers USB-C. Tout ceci pourquoi? Parce que ici, regardez, on va pouvoir connecter. On va pouvoir recharger notre petite télécommande dessous. Ici, regardez. Tac. Voilà, et on va pouvoir tout simplement recharger la petite télécommande
Ce qui est intéressant avec cette télécommande, c'est que vous allez pouvoir déclencher des photos à distance ou déclencher la vidéo sur votre iPhone ou sur votre smartphone Android, et tout ceci à distance. Donc le petit câble USB-C vers USB-A pour recharger votre télécommande. Imaginez-vous ne pas avoir par exemple d'iPhone et ne pas être compatible MagSafe. Un petit anneau ici qui va venir se coller derrière n'importe quel smartphone Android, et grâce à ce petit anneau, eh bien vous allez pouvoir en fait transformer n'importe quel smartphone Android eh bien en MagSafe, puisque vous allez pouvoir tout simplement aller après aimanter. Attention, cet appareil n'est pas un stand qui va recharger votre iPhone, c'est vraiment un stand qui va vous permettre en fait de faire des vidéos, de faire des photos, de le plier et le déplier rapidement quand vous en avez besoin, et surtout d'être autonome lorsque vous allez vouloir faire une vidéo loin de votre iPhone ou loin de votre smartphone Android. À l'intérieur, on va retrouver le petit dépliant qui va vous expliquer comment vous servir de ce stand. Vraiment, c'est très simple à utiliser. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le côté portable. Vous voyez, donc ici, en fait, on peut refermer. Voilà. On peut baisser la tige et se servir de cette tige, de ce Mac Stand, comme un stabilisateur, en fait, pour pouvoir venir se filmer. Je vous montre tout de suite le résultat avec un iPhone posé au bout du Mac Stand. Vraiment, je trouve ce produit très bien pensé. Comme vous pouvez voir, dès qu'on veut passer au système de trépied, bam, on pose, on lève à la hauteur qu'on veut, et c'est parti. Franchement, le top. Il vous suffit d'avoir un iPhone compatible MagSafe ou une coque compatible MagSafe pour votre iPhone. On le pose, et regardez ici, tranquille, je peux ici venir refermer mon pied, mettre mon iPhone, et regardez, je pourrais éventuellement me prendre à distance. Et je pourrais éventuellement tourner mon iPhone pour qu'il puisse être à distance de moi. Et ça, je peux le faire vraiment très loin et de me prendre comme ça à distance. Regardez ici, ça peut être vraiment génial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Mac Stand. Merci de vous abonner, merci de mettre un pouce en l'air pour encourager donc la chaîne Vision E-Tech. Et je vous montre tout de suite comment je vais me servir de ce Mac Stand, tout simplement avec la petite télécommande. On va remettre notre télécommande et on est prêt à se filmer en direct, live. C'est vraiment génial. Centré. Et comme vous pouvez voir ici, je suis à distance près et avec ma télécommande, je vais pouvoir prendre une photo. Un visage près du bord droit. Centré. Près du bord droit. Et je pourrais même éventuellement prendre une vidéo. Ici, si je me mets en mode vidéo. Mode caméra, photo, vidéo. Un visage près du bord droit. Voilà. Et regardez, tout de suite, je peux me prendre en vidéo de loin. Voilà, là, j'ai lancé la vidéo. Vous voyez, tranquille. Je peux me prendre à distance et arrêter directement avec la télécommande la vidéo. Ça, c'est vraiment génial. Et je peux régler la distance de la perche, tout simplement, du Mac Stand. Ici, si je veux me prendre, j'ai plus besoin d'aller appuyer sur l'écran. Tout simplement avec ma petite télécommande, ici. Voilà, vous voyez. Visage au centre. Centré, visage au centre. Donc, je suis centré et je lance ma vidéo. Voilà, avec ma petite télécommande, ici. Centré. Allez, je vous montre comment ça se passe à l'extérieur, c'est parti. Imaginez-vous avoir besoin de vous filmer avec votre iPhone ou votre Android, vous avez votre Mac Stand. Et oui les amis, franchement, c'est le top. Ici, on ouvre. Ici, on met le pied. C'est parti. On pose. Et regardez-moi ça. On a directement un stand qui peut être vraiment très haut hein, en termes de taille. Ça fait à peu près ma taille, hein, donc à peu près 1m68 de haut. On peut positionner. 19h26, c'est notification. LinkedIn, pile condensée. On peut positionner notre iPhone tout simplement sous forme de stand. Ici, je récupère ma télécommande et je peux, si je veux, avec ma petite télécommande à distance, me filmer tranquille, arrêter le film. Éventuellement, je vais pouvoir me mettre
en mode paysage. Éventuellement, je vais pouvoir me mettre en mode paysage ou en mode portrait. Voilà. La télécommande me permet de gérer à distance mon iPhone ou mon Android. Je vais pouvoir éventuellement me servir de mon Mac Stand comme un stabilisateur, comme un gimbal. Et je pourrai agrandir au max. Donc vous imaginez la distance que j'ai ici. Je pourrais éventuellement filmer à distance. Ou plus proche, si j'ai envie. Je peux me filmer comme ci, comme là. Voilà. C'est vraiment super top. Et l'avantage, c'est que dès que vous voulez vous positionner, on fait un petit appui. On peut se positionner comme on veut, où votre Mac Stand est déplié. L'idée est vraiment géniale, le prix est vraiment pas excessif. Je vous mets donc tous les liens en description. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce stand, le Mac Stand de chez Craft Geek. Moi, vraiment, je kiffe énormément. On peut replier le pied, il se clipse, c'est parti, j'ai mon stand. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et à bientôt pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision High Tech. Allez, je vais me filmer, salut à tous. Ouais, salut, comment ça va?